Maintenant, il y a là, mais il y a assis. Tout le y a assis maintenant. Moi, on m'appelle Rouya Laurent. Je suis dedans maintenant, ça fait au moins de 6 ans. Ça fait au moins de 6 ans. Compte tenu de ne rien vu. Hein, compte tenu de rien, on a été à l'école. Vous voyez comment, tout, si vous avez passé, vous allez dans le rang des Emidiamam, vous allez trouver certains qui ont de licence, certains qui ont de master. Et c'est parce que ça dépend de la ligne de la personne. Vraiment, Cotonou est devenu. Je ne sais pas le nom que je vais attribuer. Hein? C'est décourageant. C'est décourageant. Donc, nos autorités locales, ça dépend de notre hiérarchie qui gouverne ce pays. Au moment que toi qui es le père, tu n'es pas propre, comment tu vas apprendre à ton enfant? Il faut être propre. Hein? Donc, il faut se laver 3 fois ou bien 4 fois par jour. Mais toi qui es le père, c'est difficilement que tu te laves une fois par jour. Donc, c'est vraiment honteux pour ce pays. Par exemple, avant-hier, j'avais remorqué un Nigérien. Hein? Le Nigérien à côté, j'avais remorqué l'un d'eux là-bas. Et il me disait que vraiment, s'il entend le nom de Coton, le nom du Bénin, donc ça lui plaire de venir rester ici parce qu'il y a de paix. Mais, brut de prix, qu'il y a l'eau partout, il y a les tas ordus, que c'est de maladie. Donc, qui se prie de bagarre maintenant de rentrer chez lui. Vous voyez. Donc, c'est honte pour notre pays. Maintenant, il y a là, mais il y a assis. Tout le y a assis maintenant.